Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une astuce sur Excel, c'est qu'on vous voyez ici un thermomètre pour visualiser un petit peu votre tableau de bord. Donc ici par exemple, pour voir, ici c'est 20%, ici c'est 35%, etc. Ok? On va commencer donc. La première des choses, c'est très simple, mettre ici 100%, ici l'objectif. C'est-à-dire, on va commencer par exemple avec 25%. Première des choses donc, sélectionner 100%, insertion, ici donc, c'est histogramme empilé. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ok. Voilà, un petit peu. Je sélectionne à la droite, sélectionner les données, ajouter, je passe ici sur 1 et je prends le 25. Okay. Ensuite, je clique ici par la droite, mettre sur forme, je fais axe secondaire. Ensuite, ici, je clique sur l'axe et je clique par la droite, je en forme, ici, je fixe 0 et ici, comme maximum, 1. La même chose ici, pour avoir les mêmes échelles, ici, je fixe à 0, ici, et 1. Ensuite, j'élimine ceci. Je clique par la droite. Je mets comme ça. Et je mets comme ça. OK? Je clique ici sur 1. Et je clique ensuite sur, par la droite sur forme. Et je clique ici sur gradation. Voilà donc, il est. Lorsqu'il est là, il se transforme ici. Je clique ici par la droite et ici à la fin. Ok. Je clique encore, je colore par le rouge. Ici, je clique la même chose sur remplissage. Remplissage uni et je fais ici transparence à 90 par exemple. J'élimine si ceci et je l'élimine ici. Je clique par droite et ceci sans contour. Voilà donc ceci avec rouge. J'ai grandi un petit peu. Je clique ici et je donne, par exemple, coloration un petit peu. Diminue la transparence. Voilà donc. Ensuite, c'est simple. Je prends une forme ici. Attendez, pardon. Ceci. Voilà. Je clique par la droite. Choisir la coloration rouge ici sans coloration, sans contour. Je diminue un petit peu coloration pour que ce soit la même chose. Oh. Quelque chose comme ça. Oui, encore pour avoir ceci. Voilà, sans contour. Parce que je fais, par exemple, c'est 0, voilà, c'est 0. Parce que je fais 20, c'est 20. Parce que si je mets 100%, c'est 100%. 60, c'est 60, etc. Ok? Voilà donc votre
thermomètre. Ok? Allez, bonne année 2015 et à la prochaine.